Ceux qui gardent dans leur mémoire les dernières images de elle, d'Archibald de la Cruz, de la jeune fille ou de Viridiana, ne s'étonneront pas de nous voir nous demander aujourd'hui qui est Buñuel. Quel rapport ces œuvres mystérieuses entre toutes entretiennent-elles avec l'homme qui les a promues? On connaît l'avertissement que donnait Buñuel avant la présentation au Festival de Cannes de L'Ange Exterminateur. Si le film que vous allez voir vous semble énigmatique ou incongru, la vie l'est aussi. Cet avertissement, nous pourrions à notre tour le placer en exergue de cette émission. Car chez l'homme Buñuel, nous avons retrouvé la même incongruité, la même énigme, sous une très grande simplicité d'apparence. Oui, Louise Buñuel, qui êtes-vous? Si vous deviez vous définir. Me définir moi-même? Rien, je partirai par la première porte sans rien dire. Je ne dirai rien du tout, je ne me définis pas. Je ne me définis pas. Devant cette position inébranlable, nous nous y sommes pris autrement. Nous avons fait le tour des amis de Buñuel, de ses collaborateurs, nous avons interrogé sa sœur Conchita, sollicité enfin le concours de critique de cinéma, en prenant bien soin, dans toute la mesure du possible, de ne pas séparer l'homme de son œuvre. Monsieur Urgoiti, dont Buñuel sera le collaborateur à la veille de la guerre d'Espagne, évoque précisément ce que fut vers 1933 la sortie de son premier film, Un chien andalou. J'ai rencontré Buñuel, je crois que c'était l'année 34 à peu près, 33 ou 34. C'était à l'occasion de la première séance, de la première de son film Un chien andalou. Enfin, tout le monde était terrifié, il ne comprenait pas le film, mais quand même, ça a eu un grand succès. Je me rappelle bien qu'à la fin de la séance, quelqu'un a demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Nous ne comprenons rien. Alors Buñuel, avec son air farouche comme toujours, il a dit, eh bien, c'est très simple. C'est une invitation au crime et au viol. Des idées, ce n'est pas d'idées. C'est des instincts. C'est un brut, un bruto, comme nous disons en espagnol, n'est-ce pas? Mais naturellement, il n'est pas un brut. Il fait tout ça pour ne pas laisser voir sa tendresse intime, parce qu'il est vraiment un homme très tendre. Alors il se cache avec cet aspect féroce. C'est-à-dire Buñuel est quelqu'un qui peut tomber malade, et je l'ai vu tomber malade une fois à Paris, parce qu'il avait lu dans un journal, il venait de lire dans le journal, qu'il y avait des tombées radioactives sur Mexico. Oh, pour moi, c'est un grand bonhomme, quoi. C'est un grand bonhomme. Mais surtout, une chose sur laquelle je veux attirer l'attention, c'est sur l'humour de Buñuel. Vous aimez Tolède? Quoi? Vous aimez Tolède? Pas beaucoup. C'est une ville assez sale, des ruelles malodorantes. Les Américains, moi, nous aimons les choses propres. Je vous le montrerai ce soir. Le soir est très bien, Toledo, très merveilleux. Vous disiez que vous connaissez, que vous n'aimiez pas. Ce matin, pas, mais maintenant, je commence à l'aimer sérieusement. C'est très bien. Pourquoi? Et mais pourquoi? Je sais pas, je change comme ça. Le matin, j'aime, l'après-midi, je n'aime pas, le soir, j'aime à nouveau, je suis comme ça. Dites-moi, nous sommes là en train de boire une bouteille. Oui. Avec Garcia Lorca, Dali, vous veniez oui. Ici? Oui. Et avec beaucoup d'amis, avec d'autres amis. Nous étions au moins une quarantaine de... Ça s'est renouvelé, non? Il y avait des amis français aussi qui venaient là. Et vous connaissiez déjà le groupe surréaliste de Paris? Le groupe surréaliste, non. Non, il y a des membres des groupes qui venaient sporadiquement à Madrid. Et nous venions faire une excursion de 2 jours. Qu'est-ce que vous faisiez là? Boire un peu, marcher, rire... C'est tout. Ils sont très fraternels, très gays. Très... Vous pensiez au cinéma? Quoi? Vous pensiez au cinéma? Je crois que je faisais du cinéma déjà. Oui, j'avais fait déjà des films. Toute l'œuvre de Buñuel est espagnole, y compris les films qu'il a tournés en France. Je pense que L'Âge d'or ou Un chien andalou sont des films espagnols. Mais également que les films qu'il a tournés au Mexique sont des films espagnols. Et Le chien andalou, ça a été réalisé en France? En France, tout entièrement, oui. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait en Espagne? Parce que j'habitais à Paris dans cette époque-là. Je fuis de l'Espagne dans ce moment-là, je ne m'habitais ici.
Et j'ai fait ma carrière à Paris, j'avais tout mon groupe, mes amis là. Alors je suis parti d'Espagne du 24 au 35. Je venais seulement occasionnellement pour les vacances. Et vous avez trouvé un producteur? Où? Pour les chiens andalous? Oui. Ma mère, c'était ma mère qui m'a donné l'argent. Oui. Et après l'âge d'or, un ami qui avait beaucoup d'argent m'a donné pour faire l'âge d'or. Cet ami, c'était le vicomte de Noailles, qui fut aussi à la même époque le mécène de Jean Cocteau. Se doutait-il, en commanditant l'âge d'or, de la charge explosive que devait receler le film et de la réputation de scandale qui devait s'attacher à son auteur? Aujourd'hui, en effet, 34 ans après sa brève et unique exclusivité parisienne, l'âge d'or reste un film maudit, toujours sous le coup de son interdiction. Faute donc de pouvoir vous en offrir un extrait, nous vous présentons quelques-uns des rares photogrammes en circulation, où vous pourrez néanmoins reconnaître les deux protagonistes du film, Gaston Modo et Lia Lys. Monsieur Mauclerc, qui était alors directeur de la salle où fut projeté l'âge d'or, le studio 28, nous rappelle les principales étapes de cette affaire célèbre. Buñuel est venu me revoir, il m'a dit voilà, nous avons, Jean Cocteau et moi, nous avons été sollicités par Madame de Noailles, qui nous a donné à chacun 1 million de francs de l'époque toujours, et nous avons fait chacun un film. Jean Cocteau a fait Le sang du poète, et moi j'ai fait L'âge d'or. Il a eu confiance? Et il a eu confiance? Oui, il a eu confiance, oui. C'est une liberté totale. C'était la nouvelle vague, beaucoup de liberté totale. J'étais contre la technique, contre l'art, contre les plans soignés, tout ça. De notre point de vue, alors la chose qui m'intéressait, c'était raconter quelque chose, n'importe comment. On a dit après, on ne peut pas trouver du cinéma, c'est pas de l'art, c'est horrible. Ça nous plaisait beaucoup, justement. L'âge d'or sortait le 28 novembre 1930. Le 3 décembre, les manifestations commençaient. Au début de la projection de l'âge d'or, il y a eu des pétards qui ont éclaté dans la salle. Les photos peuvent vous le montrer, une bombe à encre a été jetée sur l'écran et des bombes fumigènes ont été allumées. Et au cri de Abba la Bischofsheim, qui était le nom de jeune fille de Madame de Noailles, Abba la Juive. Ce à quoi M. Maurice de Rothschild, qui était au balcon, au premier étage, est descendu affolé. L'escalier en criant c'est le pogrom. Et alors ça a été le flot de ces jeunes manifestants qui en sortant alors ont lacéré des toiles de Dali, des toiles de Tanguy, de Max Ernst. Eh bien ces toiles ont été massacrées et esquintées. On a pu appréhender certains de ces manifestants qui ont été au poste interrogés. Je les ai poursuivis et c'était des fils de très braves ouvriers, des garçons simples, sans aucune surface, et bien entendu, déférés devant le tribunal de simple police, avec, j'avais Henri Torres à l'époque, ils ont été pratiquement acquittés et félicités. Et à la suite de ça, le préfet de police, qui est assez connu, il s'appelait M. Jean Chiap, a fait interdire l'âge d'or, qui jusque-là avait eu son visa de censure. Quelle était l'attitude du groupe surréaliste devant ces manifestations et devant la mesure prise à l'encontre du film? Ah ben, nous avons protesté très vivement, nous avons fait un manifeste, que voici. Depuis quand n'a-t-on pas le droit en France de mettre gravement en question la religion, ses fondements, les mœurs de ses représentants, etc.? Depuis quand la police est-elle au service de l'antisémitisme? L'emploi de la provocation pour légitimer une intervention ultérieure de la police n'est-il pas le signe de la fascisation? Cette intervention se faisant sous le prétexte de protéger l'enfance, la jeunesse, la famille, la patrie et la religion, peut-on un instant prétendre que cette fascisation évidente n'a pas pour but de détruire tout ce qui tend à s'opposer à la guerre qui vient, et très spécialement à la guerre contre l'URSS? Mais nous n'étions pas là le jour des représentations, le jour de ces manifestations, parce que si ça avait été la première, il y aurait eu des surréalistes, mais c'est le 7e ou 8e jour que ces manifestations ont eu lieu. Par conséquent, il n'y avait personne d'entre nous pour se battre avec ces représentants de la Ligue antisémite qui criait mort aux Juifs. Vous le referiez maintenant, exactement pareil? Non, c'est passé. Ça correspond à un moment social et spirituel, et tout ça, les conditions ont changé, donc
Je ferai une autre chose, je ne ferai pas la loi. Ce sont des choses sincères non, qui m'appartiennent, peut-être s'insistent trop, mais je regrette de ne pas pouvoir trouver d'autres. Et... Bien entendu, j'insiste d'abord. Mais j'insiste d'une autre façon. Alors après l'âge d'or, au moment de la sortie à Paris, au studio oui. 28, vous n'étiez plus là. Non, j'étais à Hollywood. J'étais engagé par le maître Goldwyn. Mais je n'ai rien fait. Je suis allé 6 mois, je suis rentré. Voilà l'autobus. Et vous êtes revenu après Hollywood? Ça va, on peut parler avec l'autobus, là. Oui, oui. Ça ne veut rien. Hein. Après quoi? Vous êtes revenu en France? Oui. Après. Bien, pour attendre de tourner un film, Buñuel attendait d'avoir de l'argent. Et comme vous le savez sans doute, pour les Hurdes, il s'est trouvé qu'un de ses amis avait gagné à la loterie et il lui a donné l'argent de la loterie pour faire le film. Et c'est vous qui avez eu l'idée d'aller tourner? Oui, oui, ça m'a passionné. J'étais touché, humainement touché, très tendrement touché par la misère de la sourdesse. Alors j'ai trouvé l'occasion de faire le film, très modeste, rien, on l'avait fait avec un portatif et quelques bouts de bouts de film qu'on appelait alors. No? Il y avait des petits producteurs qui vous donnaient des bouts de film de 20 mètres, de 40 mètres. Comme ça. Et voilà. C'est à ce moment-là que vous avez rencontré Yorgo Iti. Il faudrait le placer pour qu'on ne croit pas que c'est nous. Ah oui, nous mettre. Il faudrait oui. mettre intercoupé avec les lannes. Oui, un plan avec l'âne. Oui, le plan. Eh ben voilà. Est-ce que, oui, après La Sourdesse, vous avez rencontré Yorgo Iti? Oui. Après la je ne voulais pas faire, je n'étais pas professionnel. Et je suis venu en Espagne, envoyé par Warner Brothers comme superviseur. Très bien payé, je n'avais rien à faire, alors j'étais très content. Et j'ai trouvé à Urgo et nous avons organisé la production de films commerciaux espagnols. Et alors, je lui ai dit, voyons, quelles sont vos conditions. Il y a une condition, que mon nom n'apparaît dans aucune affiche, dans aucune publication, rien. Parce que moi, je suis dans l'avant-garde, moi, j'ai fait des films de haute vanguarde, tout ça, surréaliste, tout ça. Si mon nom apparaît dans un film commercial, alors c'est fini. Je quitte et je laisse le film tel qu'il est. Alors je pensais, c'est ça le directeur que je veux. Et qu'est-ce que vous faisiez? Des films complètement populaires pour les... J'intervenais comme producteur exécutif, je connaissais un peu la technique du cinéma et j'étais là pour faire les films en moins de jours. On disait 30 jours, je le faisais en 25. Enfin, je le faisais faire en 25. C'était une espèce de machine à travailler vite. Et au Mexique aussi? Au Mexique? Non, au Mexique non, au Mexique non. Non, mais vous avez la réputation de travailler vite? Oui, je travaillais assez vite parce que j'étais habitué à ça. C'était les conditions de mon travail, avec peu d'argent. Je suis habitué de ça. Et ce n'est pas une importance fondamentale à la, soi-disant à la plastique, à éblouir avec la composition, les robes, les complets, les décors, les paysages. Ça m'intéresse plus les relations humaines, que les, avec une ambiance, bien entendu, mais secondaire, ça. Ah, il a eu une très mauvaise période quand il a été aux États-Unis pendant la guerre, où, comme vous le savez, il a eu un petit emploi au Museum of Modern Arts, où il l'a perdu, n'insistons pas. Pourquoi pas? Le scénario de L'Âge d'or, comme celui d'Un chien andalou, était dû à la collaboration et à l'amitié réciproque de Luis Buñuel et d'un peintre alors peu connu, Salvador Dali. Lorsque Buñuel s'établit en Amérique... Mais écoutons plutôt Max Ernst. Je l'ai rencontré à New York à l'époque où il avait un modeste emploi au Musée d'art moderne, à la cinémathèque de ce musée. Là, et c'était parce qu'il en avait besoin pour survivre des conditions dures dans lesquelles il était arrivé aux États-Unis. Mais malheureusement pour lui, que cette aubaine n'a pas duré longtemps. Et ça a pris une fin assez rapide et inattendu, un moment où il était convoqué devant la direction de ce musée et on lui demandait, monsieur, est-ce que c'est vrai que le deuxième film que vous avez tourné avec Salvador Dali
a été fait par vous deux. Le scénario, de toute façon, a été fait par vous deux. Le scénario était conçu par vous deux d'une façon telle qu'il en résulta un film catholique, orthodoxe. Et vous, vous avez profité de l'absence de Dali aux prises de vue pour en faire un film athée et blasphématoire. Buñuel a répondu, évidemment, ce film est un film athée. Mais je ne suis pas le seul coupable, c'était conçu par nous deux de cette façon-là. De toute façon, je peux vous dire, c'est un film athée. Alors, dans ces conditions, on lui a dit, nous sommes bien obligés de vous demander de démissionner, ce qu'il a fait. Donc, il était sur le pavé. Quelques jours plus tard, m'a-t-il raconté, il a rencontré Dali sur les trottoirs de la 5e avenue. Il s'est dirigé vers lui, il lui a demandé, c'est vous, monsieur Dali? Dali lui tendait la main, qu'il n'a pas prise, qu'il n'a pas serrée. Et alors, il lui a flanqué une gifle. Et Dali s'est roulé par terre sur les trottoirs de la 5e avenue. Et c'était ça, la fin de cette amitié. Et lorsque vous étiez aux États-Unis, où? Aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Vous aimiez la vie aux États-Unis? Je dois dire que oui, j'aimais assez. Si. Les Américains sont plus gentils en Amérique qu'ailleurs. Et j'ai trouvé le peuple américain très ingénu, très, très bien. C'est un peuple qui croyait encore à la parole humaine. Fallait jurer. Est-ce que vous avez volé une montre? Non, jurez-les. On jurait, on vous lâchait. Mais pas maintenant, je crois que. Maintenant, si vous ne l'avez pas volé, on vous met en prison aussi. Et vous aimiez le confort américain, le... Oui, je vous ai dit ce matin, j'aime les rues propres et le confort. Et vous aimez vraiment oui, le confort? Oui, le confort en Amérique est formidable. Quelle baignoire. Quelle baignoire. Quelle douche. Et vous êtes français, vous ne pouvez pas vous imaginer ça. Et en Espagne, vous ne retrouvez en pas Espagne, ça? En Espagne, rien. Les poules dans les basses-cours et les cabinets à l'air libre, horrible, horrible. Ah, nous ne sommes pas aussi civilisés qu'en Amérique ici. Oui, et pourtant, dans cette Espagne, au cœur même de cette Espagne qu'est l'Aragon, Buñuel a eu une enfance heureuse, partagée entre la vaste maison de famille de Calanda et la Villa Maria, sur les bords de la rivière Guadalope. C'est ici où j'ai pu souvenir de l'enfance de mon frère. Mais on ne le souhaitait jamais avec lui parce que ma mère tenait beaucoup à la séparation des sexes. Alors, il avait joué avec des garçons et nous, les filles, nous jouions avec des amis. Et alors que mon frère et ses amis étaient à la rivière, il faut que nous allions ici au Sardin. Et quand il voulait être au Sardin, alors il fallait que nous allions à la rivière. Avant de quitter sa province pour la résidence des étudiants de Madrid, où il se liera d'amitié avec García Lorca, Salvador Dalí, Rafael Alberti, Buñuel partage donc son temps entre Calanda et le collège de jésuites de Saragosse. Il lui-même ne cache pas l'importance de cet enseignement. C'est pourquoi il nous a plu de demander à un jésuite, le père Arteta, par ailleurs critique de cinéma dans une revue confessionnelle, ce qu'il pensait de celui dont il aurait pu aussi bien être l'éducateur. Cette interview a eu lieu dans le hall du collège, au pied d'une statue de l'enfant Jésus, étrangement parente de celle qui sera l'ornement de la fameuse scène d'amour fou de l'âge d'or. Si vous demandez aux ecclésiastiques, et en particulier à quelqu'un de mes confrères, on vous dira que Buñuel est un blasphème. Donc, je pense que la réputation de Buñuel en Espagne est plutôt mauvaise. Et personnellement, quel est votre avis? Mon avis, ce n'est pas facile de... parler parce que je ne connais pas tous les films de Buñuel. Mais à mon avis, même dans les films que l'on dirait blasphèmes ou irreligieux ou irreligieux, on trouve quelques traces de religieux, de religion. Parce que si on admet que Buñuel est un blasphème, alors si blasphème, il est parce qu'il croit. Et j'explique cela
en rappelant une interview que j'ai lue au Monde de Paris, où Buñuel a répondu qu'il a gardé toujours de son collège, de ses professeurs jésuites, l'esprit religieux. Donc je pense que même dans les films irreligieux de Buñuel, on trouve ce sillage de la religion. Il a conservé toujours un grand amour au collège, et je pense à mon avis que c'est mieux de lui tendre une main chrétienne, d'amitié chrétienne, plutôt que de la refuser. Et vous avez failli, paraît-il, avoir le prix de l'office catholique pour Nazarine. Ça m'aurait beaucoup plu, très gentil, un type comme ça. Je vous remercie, monsieur. Ça aurait beaucoup aimé, mais on ne me l'a pas donné. Vous habitez à Mexico? Ah, oui. Dans Mexico ou dans la banlieue de Mexico? Non, j'habite au Mexique. Mexico est une ville très grande, très, très grande. Et j'ai des rues, bien, une petite maison avec un jardin, je suis très content là. Je ne sors presque jamais de la maison. Vous ne participez pas à la vie... Soi-disant sociale. Soi-disant sociale, non, oui. Non. Jamais. Je suis très retiré du monde. Et vous travaillez chez vous, vous êtes retiré. Et pour quelle raison vous êtes retiré? Non. Je travaille chez moi, mais le moins possible. Je n'aime pas beaucoup le travail. Je suis retiré du monde à cause de ma surdité. On m'a dit que vous aviez fait construire un mur autour de votre maison. Que j'avais fait quoi? Construire un mur autour de ma maison? Oui. Oui, mais ce n'est pas pour... C'est pas pour m'isoler du monde, c'est pour éviter les voleurs. J'avais pensé plein. Il y a beaucoup de voleurs qui viennent. Non, mais moi, peut-être pour s'il y en a. Peut-être il y en a, alors si par hasard il y en a, j'ai mis mon mur là. Quels sont les auteurs qui vous ont marqué? Qui m'ont marqué? Pratiquement aucun. Et est-ce que les auteurs qui ont été défendus par le surréalisme et qui sont devenus des auteurs traditionnels, en quelque sorte, comme Freud... Qui? Freud. Oui, vous l'avez lu? Freud, oui, à l'époque, avant, beaucoup avant de rentrer au surréalisme, j'ai lu Freud. Et 10 ans avant de rentrer au groupe surréalisme, j'ai lu Freud en Espagne. Et Sade? Sade, je l'ai connu au moment de mon entrée au surréalisme, à travers de Desnos. Robert Desnos m'a prêté... Tual, Armand Tual. Tual, oui. Roland Tual. Oui, c'est lui le premier qui m'a donné... Desnos et Tual m'ont donné le premier livre de Sade. Qu'est-ce que c'était? C'était une révolution totale pour moi. C'est extraordinaire. Et est-ce que maintenant, lorsque vous faites des films, par exemple, il y a 10 ans, lorsque vous avez fait Elle, oui. Il y a des scènes qui évoquent Sade, oui. La scène de l'aiguille. Oui, il évoque, oui, théoriquement, oui. Mais je crois qu'un détail ne peut pas évoquer une personnalité, une théorie, une tendance, un monde, non? Oui, bien sûr. Un détail qui vient là, vient, qui est conséquent au type, non? C'est un paranoïaque. Alors, oui. C'est pas imitant Sade parce que c'est sadique. C'est pas sadique dans ce cas-là. Un personnage comme elle est un personnage sale, par exemple. Quand il veut coudre, il n'est pas du tout du point de vue sadique. Il ne joue pas en cousant. Cousant, on dit, non? Oui, cousant. C'était seulement un châtiment avec sa femme. Pour sa femme, c'est tout. Mais il n'y a pas de pensée sadique du tout. Non. Et quel était l'accueil au Mexique? De quoi? De elle. De elle, beaucoup plus de succès que Charlot. On a rigolé comme des fous. Voilà. Ah bon, c'était un film comique. On rigolait beaucoup. Mais les gens ont reconnu, Non, ils n'ont reconnu rien du tout. Ils ont reconnu que c'était très drôle, un film imbécile. Ils ont rigolé comme des vaches. Là. Une drôle de film, en effet, que ce portrait terrible de la jalousie dont le héros, Francisco, ne se contente pas d'épier sa femme, mais conçoit un jour, entre deux crises de folie furieuse, le projet peu commun de la coudre pour s'assurer sa fidélité.
Mais le rapport entre le personnage de Francisco oui. et le personnage de la femme, oui. c'est un rapport très... très espagnol, non très... Non, 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 c'est universel. Universel, c'est russe, c'est Spitzberg, c'est Magallan. Non, mais la domina... C'est tout, c'est pas espagnol du tout. Génie. C'est français, c'est allemand, c'est tout. C'est un type de paranoïaque. Je pensais que moi, je ferais ça, si j'étais paranoïaque, je ferais ça avec une femme infidèle. Ou que je crois infidèle, parce que la femme de Zell n'est pas infidèle. Elle est très fidèle. Mais il croit qu'elle est infidèle. Et chacun a son système. Vous la giflez, l'autre la tuez, moi la coudre, l'autre la promenez en voiture, à des chevals. Il y a des rapports entre l'attitude du personnage et la vôtre. Non, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, j'étais paranoïaque, peut-être je coudrais aussi ma femme. Au lieu de la gifler ou de donner une bière, je la coudrais. Vous l'enfermez, là, maintenant, à Mexico. Au lieu de l'enfermer, je ne l'enfermerai pas. Mais cette femme, on ne la voyait jamais. Car Buñuel avait, à ce moment-là, été déjà le mari de Jeanne, qui est une femme adorable, mais que j'ai dû attendre beaucoup de temps pour connaître. Vos amis se plaignent de vous voir tout seul, sans votre femme. Qu'on me voit tout seul? Oui, sans votre femme. Non, ça, c'est de l'époque. C'est non pas de raison, ma femme est partout avec moi. C'était à l'époque, on était en blague, on disait que j'étais espagnol, j'étais jaloux que ma femme n'allait pas. C'est une blague. Une blague qui a... Passant Georges vous a dit ça. Oui. Oui, voilà. Voilà comme ceci, tout de suite, ça vient. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Peut-être que c'était vrai, pendant la guerre d'Espagne, tous les allés manger sa double et ma femme restait à la maison. Il y avait les petits enfants qui venaient de naître, elle restait avec l'enfant, elle allait tout seul. Et Breton aussi, une fois, m'a dit que je ne présentais pas ma femme, mais c'est une blague. Il y a... Vous voyez, j'ai découvert tout de suite d'où ça vient. Et quand vous lisez des articles sur vous, des articles sur vos films, vous êtes surpris, vous êtes... Quel est votre sentiment? Je dois reconnaître que je suis assez curieux des articles sur moi. Je regrette, c'était peut-être au fond une vanité, peut-être. Mais j'ai une spéciale... Je vous ai dit tout à l'heure, avant de la caméra, j'ai fait des films pour mes amis et les amis de mes amis. Je m'en fiche du public, ça ne m'intéresse pas ce qu'ils pensent. Mais vraiment, je suis très content quand un ami comprend le film ou aime le film. Je me trouve très flatté, ça me plaît beaucoup. On reprend Nazarin, non? Comment? On reprend Nazarin. Nazarin. Nazarine. Nazarine. Bon. Il disait Nazarin, Nazarin. Je ne comprends pas les Français quelquefois, non. Mais pour moi, Nazarine, c'est un type humain formidable que j'aime beaucoup. Je l'ai dit déjà une fois, il est dans ce cas, est un prêtre. Il pourrait être un autre type de notre société. Il pourrait... Tout moins un policier. Il pourrait être tout. Alors, ce type-là me plaît beaucoup, m'attire énormément. À la fin, j'ai voulu montrer la doute dans l'esprit humain, n'importe quelle idée, n'importe quelle activité humaine. Je trouve que la doute est extraordinaire. Il vous fait progresser, la doute, non? Que Nazarine est tellement pur, tellement exact. À la fin, il doute. C'est tout ce que j'ai tassé dans le film. Des convictions aussi enracinées. Et à la fin, il y a un moment où il doute. Naturellement, il ne veut pas renier de son passé. Il accepte le monde. La doute, pour moi, c'est refuser le monde. Il apprécie la charité toujours, le monde. À la fin, il la refuse. Alors, ce conflit, celui de refuser une chose dont il apprécie et pour laquelle il vit, m'a semblé très bien. Naturellement, il ne veut pas renoncer un moment, il ne veut pas renoncer pour toujours. Mais le seul fait de la mort et la doute sur lui, ça me suffit. C'est comme une personne qui s'endort dans un lit. Vous endormez dans votre lit avec une cigarette. Alors, il peut s'éteindre. Il tombe dans le lit, mais la maison peut brûler. La doute, c'est comme une cigarette, non? Il peut rien arriver ou tout détruire. Et voilà, c'est tout ce que j'ai voulu faire. Et le type humain me plaît beaucoup. Mes amis comprennent le film. Ceux qui ne sont pas mes amis ne comprennent pas. Ça ne veut pas dire que mes films soient très bons parce que mes amis les comprennent.
Mais ça veut dire que j'ai fait des films pour mes amis et je suis très content qu'ils les comprennent, c'est tout. Je ne critique pas les autres, ils ont le droit de ne pas les comprendre, ça m'est égal. Je ne lutterai jamais pour ça. Mais je ne pense pas non plus pour plaire à mes amis. Je ne ferai pas un centimètre pour plaire à mes amis non plus. Et, par exemple, il y a le cas contraire, l'ange exterminateur, il y a un ami à Mexico, très ami à moi depuis 20 ans. Ils ont vu le film une quarantaine d'amis. Et en sortant, ce monsieur, mon ami, est passé à côté de moi, je lui ai tendu la main. Et il m'a dit, très fâché, Buñuel, pour beaucoup moins que ça, on a fusillé beaucoup de monde. Et il a été fâché sérieusement avec moi pendant un mois. Il a dit que c'était un homme très méchant, que c'était mauvais, qu'il ne me connaissait pas encore après 20 ans, que c'était un misérable, a dit. Pourquoi, je ne sais pas. Après, il est revenu sur son critérium et il m'a donné le repas chez lui, il était très gentil. Il a été fâché pendant un mois avec moi. Voilà un ami intime qui avait été tout à fait déplu par mon fils. Et ça aimait beaucoup aussi. Que ça lui déplaise, j'ai trouvé aussi bon que si ça lui avait plu. C'est-à-dire, une réaction, la chose qui compte pour moi, c'est réaction pour et contre. Cet ami intime auquel je crois, il a été contre moi, ça m'a plu beaucoup. Et quel est votre lien avec la culture espagnole, avec les écrivains espagnols ou les peintres? Le lien que vous sentez Personnellement, intelligemment, aucun. Aucun. Je ne me trouve pas lié à aucun espagnol. Mais je suis très lié, très lié. Par instinct? Par instinct, très lié, mais intellectuellement, rien. Je n'ai rien à voir avec aucun espagnol. On parle toujours de Goya, certaines références à Goya quand se fait un film. C'est facile, d'ailleurs, c'est très facile. Goya, eh bien, rien. Bah, Goya, évidemment. Goya en premier lieu. Mais aussi Velázquez, d'ailleurs. Mais aussi Velázquez, il y a une part, il y a quelque chose que je rattache, enfin. D'ailleurs, Goya et Velázquez sont assez proches. Et puis, il y a l'Espagne elle-même, quoi. Enfin, il y a ce contraste continuel qu'on retrouve chez Buñuel de l'extrême richesse et de l'extrême pauvreté, enfin, qu'on retrouve à chaque pas. Je crois seulement que les Français connaissent très mal l'Espagne, ne connaissent pas l'Espagne, c'est tout. C'est incroyable, des pays qui sont proches l'un de l'autre, et l'ignorance totale de l'Espagne, des Français. C'est que pour maintenir une culture, il faut des canons, il faut de la puissance. Puissance financière, puissance des armées, puissance militaire. Et c'est pour ça que l'Espagne, qui est un pays arriéré, du point de vue militaire, ruiné, tout ça, la culture espagnole est inconnue. On ne la connaît pas. Et la grande culture, les États-Unis, de cuirassés, de Rocket. Alors on connaît Hemingway, c'est le grand génie du monde. Si Hemingway était espagnol, on ne saurait pas qui c'est. C'est un monsieur comme il est, pas extraordinaire. Mais il est américain, alors ça... Et les Français ont une grande culture, mais ont une puissance. En plus, il a réuni les deux choses. Il a une grande puissance avec des canons, des armées et en plus des talents. Il y a eu sans doute. Mais l'Espagne est un pauvre pays, c'est un pays sous-développé, et tout le reste des Pyrénées au-dessus. J'aime beaucoup les armes, ça m'amuse beaucoup. Si j'avais en France les armes, ou en Espagne, les armes que j'ai au Mexique, on m'arrêterait immédiatement, j'irais à la Guyane pour 30 ans. J'ai une 80... C'est une cinquantaine de pistolets, de dernier modèle, et très meurtrier, tous tres. Et j'ai une quinzaine de fusils aussi. Et je charge moi-même les balles, je fonds les balles. Je suis très amateur de là. Mais vous faites les balles? Oui, c'est fait moi-même, je fabrique tout. Pour les pistolets, pour les fusils, pour les grands calibres, pour les petits calibres. Et j'aime beaucoup essayer les différentes charges de poudre, les différentes classes de poudre. J'aime pas tuer les bêtes. Je ne serais pas tuer un oiseau, mais j'aime beaucoup les armes. Jean Juan Luis, son fils, m'a raconté une anecdote qui fait ma joie parce que ça peint Buñuel. Il m'a dit, mon père, il avait cette idée de faire une balle avec comme il fait ses cartouches lui-même, avec une charge de poudre tellement faible que, voilà, eh bien la balle, on tirerait sur lui, et il glisserait sur ses vêtements et ne ferait même pas un accroc. Alors, il y a travaillé pendant des mois, et puis un beau jour, il m'a dit, ça y est. Il a tiré, puis même par précaution, il avait mis un certain nombre de dictionnaires ou de vieux annuaires du téléphone. Il a tiré, la balle a traversé la cible, les annuaires du téléphone, le mur, et est allée chez les voisins.
Et ça, je trouve que c'est exactement Buñuel. C'est-à-dire que Buñuel, quand il fait un film, dit « Oh, mais je n'ai presque rien mis. » Et puis ça explose. Je voudrais devenir analphabet. Je fuis la culture un peu. Peut-être par excès de lecture. Je n'ai jamais été excessif dans mes lectures, mais enfin, j'étais, je suis plus ou moins universitaire, j'ai lu, j'étais dans des milieux intellectuels. Mais maintenant, je suis de retour un peu et je déteste un peu la culture. Elle est livresque. Il y a trop de livres, il y a trop, on parle trop, on a trop d'opinion. Je suis un peu asphyxié. Et mon idée, pas mon idée, mon envie théorique, c'est le retour à l'enfance où on n'a pas de lecture, non? Ce retour à l'enfance, cette nostalgie d'un âge d'or répercutée par les 500 tambours qui hantent les rues de Calanda pendant la Semaine Sainte et qui le poursuivront partout, n'est-ce pas son œuvre elle-même qui en est le plus évident témoignage? Mais le jour où, pour les besoins de cette émission, nous arrivions à Calanda, on était en train d'abattre sa maison natale.